Non, pour vrai, vous savez pas. 1-0 Canadien. 1-0 Canadien. Wow, ils vont peut-être gagner! Wow, j'y crois presque autant que le retour du kiff. Bon. C'est pas grave. Alors, ben, tu sais, j'ai peut-être eu l'air calme là, pendant la première partie, là, mais j'ai l'air quand même moins calme que le monde qui participe à leur story. Hein? Et leur story, quand même, on s'entend. Hein? Une gang de morons enfermés à huis clos qui comptent des mentries pour essayer d'avoir le plus de votes possible pour rester là. C'est drôle, on dirait l'Assemblée nationale. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pour débuter cette deuxième partie en force, on se ferme la trappe et on ouvre très grand nos oreilles parce qu'on va avoir droit à un numéro de mime bruité. Accueillez-le chaleureusement, c'est mon co-animateur, c'est un bon ami, c'est également un gars très sexy. Accueillez Jonathan Roy Marois! Position! Ouais! Hey, salut tout le monde! Oui, comme Alex l'a dit, un petit numéro différent. Cette fois-ci, moi je compte des histoires, mais je suis pas conteur, blablabla, puis je vous fais comme travailler votre imagination. En fait, je fais travailler votre imagination aussi parce que j'ai beaucoup de décors, et le voici, hein? C'est meublé, là, hein? C'est plein de choses qui ne sont pas encore là. Et oui, c'est ça, je fais des histoires qui sont mimées et bruitées. Alors, ben, je vais commencer sans plus tarder, je vais aller chercher mon petit livre, là, d'histoire, c'est pas bien long. Bon. Ah, bon, good. Bon, alors, l'histoire que je vais vous conter, c'est une histoire bien simple. C'est belle maison hantée. L'histoire, ben, c'est l'histoire de Johnny. Johnny, c'est un livreur de pizza, bien traditionnel, un adolescent, boutonneux, qui mûre. Bon, bref. Mais c'est ça, cette histoire-là, il a une raison bien spéciale. Ouais, il s'en va livrer à la maison hantée. Alors, ça va comme ça. Alors, il était une fois. Mais c'est...
Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci pour l'écoute et on se retrouve.